Il replonge dans la piscine du Creps de Poitiers. À l'image du triple champion du monde, Nathan Maillet, les nageurs du pôle France Sport Adapté retrouvent leur bassin. Mais deux maximum par couloir. Leur photo a un bout de ligne d'eau différent pour penser à ne pas s'arrêter à côté d'un autre athlète. Un retour à l'entraînement contraignant, mais bon pour le moral, après deux mois de confinement. On faisait toujours la même chose et je côtoyais toujours les mêmes personnes, donc j'avais vraiment envie de retrouver mes camarades, quoi, les filles et les gars du Pôle France. Quoi. Ça me manquait surtout. Et le Krebs. Et le Krebs en particulier, et la piscine. Comme les nageurs, seuls les athlètes de haut niveau et les stagiaires en formation peuvent revenir au Krebs. Les tennismen du Pôle France ont été les premiers à refouler les terrains, avec une obligation, ne pas prendre les balles en main. Seul l'entraîneur y est autorisé. Et pour les exercices avec service, chaque joueur dispose de ses propres balles, remisées pendant 72 heures après la séance. Tout le monde fait très attention. On a la chance de pouvoir reprendre notre activité, de pouvoir reprendre les entraînements, pratiquement normalement, même s'il y a des petites choses. Donc voilà, ils sont tellement contents de rejouer et nous de les réentraîner que on s'y fait. Bonjour. Comme les sportifs, le Krebs s'adapte. 35,6. Contrôle de température à l'entrée, capacité d'hébergement réduite de moitié, de chambre double en chambre simple, restauration réorganisée. Après deux mois d'inactivité, la structure régionale revit, mais ses pertes sont conséquentes. L'impact est très important, on l'a mesuré semaine après semaine, de nombreuses annulations alors qu'on avait des semaines et des mois pleins. L'impact sur l'année 2020, pour l'instant, il se projette à moins 600 000 euros de manque à gagner pour l'établissement. Pas de quoi néanmoins remettre en question les travaux engagés, à commencer par le nouveau stade d'athlétisme. Il devrait être livré fin septembre.